Salut à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne déballage. Donc, on va du coup regarder le packaging. Donc, acheté chez la Fnac pour 220 euros. Ça vaut 300 euros. Donc, en collaboration avec Jane, donc la chanteuse. Quelques caractéristiques. Donc, la réduction de bruit. Donc, en gros, c'est l'équivalent des AirPods Pro de chez Apple. Donc, en gros, c'est l'équivalent Bose. Voilà. Transparence, son immersif, donc port confortable et stable. Donc, ça, je confirme tout ça. Tout ce qui est dit, c'est vrai. Résiste à transpiration. Autonomie de 6 heures jusqu'à 12 heures d'autonomie supplémentaire avec étui de chargement. Donc, fabriqué pour iPhone, tout ce qui est Apple, Android. Donc, on procède au déballage. Alors. La station de recharge sans fil de chez Urban Factory. Et du coup, ça. Donc voilà, déjà, c'était présenté dans une boîte comme ça, avec ça dessus. Mais puisque, voilà, j'ai déballé hier, j'ai pas pu le remettre. En ce qui concerne la boîte, voilà, c'est basique, c'est sobre. On n'est pas du tout dans la même politique que chez Asus. Voilà, donc, on ouvre la boîte, on trouve le boîtier Bose. Du coup, on appuie ici. Donc là, c'est l'indicateur de chargement. Hop, donc là, il est à fond, j'ai rechargé toute la nuit. Couleur vraiment et couleur édition limitée, sinon ils sont noirs. Peut-être qu'il y a d'autres couleurs. Donc là, je les ai rechargés à bloc. Je les ai eu quand vous les ouvrez, ils sont à 80%. Le boîtier est en plastique, vraiment doux au toucher. On voit que c'est bien moulé, quoi. Il n'y a pas de sale finition dessus. Donc là, vous pouvez le brancher pour le recharger avec un câble. Et sinon, donc les oreillettes, elles s'enlèvent, voilà, un peu comme sur les AirPods, on a juste hop, à prendre comme ça, à faire glisser. Donc gauche-droite, voilà, donc ça va à l'intérieur de l'oreille au-dessus. Donc là, moi j'ai mis les plus petits coussinets. Voilà, donc là vous pouvez voir un peu la couleur de la chose. Pour l'enlever, juste à tirer là, ça se vient tout seul. Hop, voilà. Donc autonomie de 6 heures. Quand vous les prenez comme ça, vous pouvez utiliser 6 heures environ. Vous pouvez augmenter jusqu'à 12 heures, je crois, un truc comme ça, avec le chargeur, le boîtier qui charge là. Le bouton Bluetooth, je ne l'ai jamais utilisé. Mon iPhone se connecte directement aux oreillettes Bose. Je ferai une vidéo de test plus approfondie, je pense, parce qu'il faudrait que j'ai une deuxième caméra, il faudrait que je voie pour choper un deuxième téléphone ou quoi, parce qu'il va falloir que je filme mon téléphone, justement. Donc là, c'est l'indicateur du niveau de la batterie. Donc là, il est full. Donc j'ai utilisé ce matin 2 heures, j'étais à 100%, bah, je suis toujours à 100%. Là, c'est le guide de démarrage rapide. Donc voilà, faut télécharger la Bose Music App, donc vraiment très intuitive, pardon. Faut faire une mise à jour du produit, là vous allez avoir tout, égaliseur, les modes de suppression de bruit, etc. Donc ça, c'est le manuel qui sert à rien, hein, instructions importantes pour la garantie, hein, personne ne lit ça. Ensuite, donc là, la boîte, voilà, on n'est vraiment pas sur du équivalent du Asus, hein, c'est vraiment basique, sobre, donc voilà, à peu près tout Bose, tout chez Bose est à peu près pareil. Ça, c'était celle qui était déjà sur la paire. Elles sont numérotées, voilà, pour ne pas vous tromper. 2, 3 et 1. Donc là, c'est vraiment pas mal, ça, on ne peut pas se tromper. Là, le câble qui est là. Hop, donc je l'ai remis comme il était dans. Un peu moins bien d'ailleurs, mais il était bien mis dedans. Voilà, donc le câble de chargement. Je l'ai mis toute la nuit à recharger. Donc je ne sais pas trop combien de temps ça prend, mais je pense que c'est assez rapide. Concernant le son, franchement, excellent. Excellent son, réduction de bruit au max, franchement propre. En fait, vous mettez la musique pas très fort, genre à une ou deux barres sur le téléphone. Vous allez entendre la personne à côté de vous parler très 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 légèrement, mais vous comprenez pas ce qu'elle dit, quoi. Donc c'est vraiment, ça fonctionne vraiment très très bien. Ensuite, donc là, le câble USB de 1 mètre, il y a juste ça de fourni, je sais plus si j'ai remis dedans. On va ouvrir, donc voilà, c'est pas de la marque Bose, bon c'est pas grave, ça doit quand même fonctionner. Je pense pas que j'utiliserai, je pense que j'utiliserai le câble parce qu'il paraît que la fonction QI ça défonce la batterie sur le long terme. Donc voilà, ça c'est le câble que je peux utiliser, donc pareil que celui de Bose, hein. Donc vous la mettez comme ça, tac, vous la branchez tout ça, et puis après vous mettez ça dessus et ça fonctionne, ça recharge. Donc voilà, ça fait la taille. Peut-être pour un casque, c'est peut-être un peu petit pour un casque à induction. Donc je ne sais pas du tout si ça pourrait marcher. Je pense que oui, mais à voir. Donc en ce qui concerne le son, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement très bonne qualité de son. C'est bien noté sur Internet. Franchement,
Franchement top, les bases sont top, l'égaliseur vous pouvez régler, moi je n'ai pas réglé parce que de base la fonction est bien, donc ça m'énerve. Et du coup voilà, rien à dire. Niveau qualité de fabrication, top, juste ce que j'aurais à dire c'est juste pour le packaging qui est un peu trop basique à mon goût, mais bon, le packaging, les boîtes et tout, c'est pas ce qu'on va utiliser tous les jours, donc c'est pas si grave que ça au final. Moi je vous conseille franchement de les prendre, niveau autonomie c'est respecté, je pense que c'est respecté parce que je les ai utilisés ce matin. Je suis toujours à 100%, donc ils sont pas très forts, donc voilà. En général, ils donnent les fabricants donnent leurs estimations d'autonomie pour un son à 50%. Donc moi, puisque j'étais à genre 20-25%, ça doit pas non plus baisser la batterie de ouf. Donc voilà, moi je vous les conseille. J'ai testé au final 3 heures, ouais, 1 heure hier et 2 heures ce matin. Et qualité de son hallucinante, réduction de bruit franchement propre. J'ai même passé l'aspirateur ce matin, j'entendais l'aspirateur. Mais pour être honnête, allez, je dirais 6 fois moins que si j'avais pas d'oreillette, quoi. Donc franchement, super. Super qualité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça m'aide à savoir si la vidéo vous a été utile ou pas. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. A plus pour de nouvelles vidéos.